Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre quête, le rituel du grand retour. On va retourner donc pour ça à la cité. Évidemment, j'ouvre la carte au mauvais endroit. Hop, alors c'est juste après, je crois. Voilà, hop. Et il faut retourner ici. On va prendre un peu plus sur donc ce rituel qui équivaut entre guillemets à... Voilà, comment il s'appelle? Le rituel de... Pour les passes... c'est le grand retour aussi, mais... Alors, ça doit pas être le rituel de grand retour. Le nom de la quête, si. Je me suis trompé. Et où la quête? Non, c'est la clé d'un nouveau chez soi, mais attendez. Ah non, du grand départ. Le grand départ, oui, c'est ça. Nous, on avait le grand retour. Là, c'est le grand départ, ok. My bad. Vous avez remis les feuilles de Sophora. Mais est-ce que j'ai appelé ça départ sur la vidéo? Bref, on verra. Parfait, merci beaucoup. Les couronnes devraient être prêtes à temps grâce à vous. Et ça, c'est bien passé avec le Sénat. Pff, évidemment, plutôt de... Non, évite plutôt de poser ce genre de questions. Tu ne fais que tourner le couteau dans la plaie. Évidemment, rien du tout. Et oui, rip, coup dur. Disons simplement que je ne m'en suis pas vraiment sorti indemne, mais ne nous préoccupons pas des pareils détails. Les futurs adultes de cette année sauront bientôt tout, mais ça vous embêterait de mettre déjà Crypto au courant. Le connaissant son aide sera précieuse pour que tout se déroule sans accroc. Il a le chic pour ça. Ok, bon, on va aller voir Crypto alors. On peut pas être très loin, on va prendre l'ascenseur. Non. Moi je me TP, hein. Peut-être plus rapide. Hein. Allez, ce sera plus rapide. Vu qu'on est déjà à la cité, je pense que la téléportation est quasi instante. C'est déjà chargé, ouais, c'est ça. C'était plus rapide. Salut. Hein, vraiment bon, bah j'ai intérêt à démarrer les préparatifs au plus vite. À commencer par le choix du plat pour le banquet. Mieux vaut m'en tenir aux ingrédients disponibles. Parce qu'on va pas aller te les chercher pour toi. Hein. Pour réaliser le menu complet, nous avons besoin d'herbes parfumées, de fine écorce, peut-être aussi de tomates murmures. J'ai du mal à lire. Si nous parvenons à trouver tout ça, le reste ne devrait pas être trop difficile. On se charge des ingrédients, tu les auras à temps. Eh ben merde, moi qui disais kiff. Impeccable, m'occupe du reste, que je n'avais pas besoin de le faire. Prévenez-moi quand vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? Ben on va voir hein, si ça se trouve les tout. Vous avez remis les ingrédients, ben je les avais, parfait. Merci, ça devrait me permettre de tout préparer dans les temps. Je trimballe avec ça, tranquillou, dans nos poches. Ça vous dérangerait d'en aviser Travis, j'ai encore pas mal de choses à faire. T'en fais pas, je m'en occupe, finis ce que tu as fait à finir, cher nouvel adulte. Tu te foutrais pas un peu de sa gueule par hasard, Lance? Ok, j'avais déjà tout récolté. Il faut retourner ton bas, ok. On va faire des allers-retours, super. C'est un intermédiaire quoi. Ils ont pas des téléphones ou de un iris quoi. Bien, on dirait que les nouveaux adultes ont bien avancé dans leurs préparatifs. Tout est en place. Nous lancerons les célébrations demain, je m'occupe de prévenir les habitants. Hein? Comment? Mais pourquoi si soudainement? La situation peut changer du jour au lendemain, il faut profiter de la trêve tant qu'on le peut. Ça vous va? De toute façon, il n'y a pas le choix. Rendez-vous demain devant les statues des fondateurs. Je vous ai trouvé de la place dans le dortoir. Vaudrait mieux aller vous reposer. Merci beaucoup, c'est trop, vous n'auriez pas dû. Fais juste en sorte qu'on soit là à l'heure demain matin, pas vrai? Allez, à demain. Allez, c'est parti. Petit rituel du grand départ. Oula, pas si vite, je croyais vous avoir dit d'aller vous reposer. Vous êtes peut-être trop surexcité pour pouvoir dormir, mais croyez-moi, vous en aurez bien besoin demain. C'est plutôt qui me semble dans tous tes états. Vous croyez que votre jeunesse vous rend invincible? Vous feriez mieux d'écouter la sagesse de l'âge. Écoutez, j'ai déjà prévenu le dortoir de votre arrivée, ne me faites pas passer pour un imbécile. Pigé, on trace. D'accord, on va dormir, papa. Ah là là, n'importe quoi. Tadani. Oh, on est dans les dortoirs. On voit à quoi ressemble le dortoir. Incroyable, je crois pas qu'on l'ait déjà vu dans le jeu principal. Hein. Je vous jure, Travis m'a l'air d'un anxieux, non? Mets-toi à sa place, vu l'importance du bazar, pas étonnant qu'il soit sur les nerfs. Un peu de pression aide parfois à obtenir de bons résultats. Le grand départ. Tu es troublé? Un petit peu. Moi aussi.
J'ai du mal à trouver les mots, mais j'ai vraiment l'impression que cela s'inscrit dans le droit fil de nos objectifs. C'est aussi mon avis. Reposons-nous pour le moment pour être à l'attaque demain. Ouais, tu as raison. Pin, 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 pin. Ok, conversation. Quel est un nouveau chez soi, c'est-à-dire? C'est avec Trafis. Ah, c'est la quête qu'il faut que je fasse. Ah, la mémoire? Ah non, c'est ça, il faut que j'aille là. Paf. Tranquille. Descente express. Socle central. Monde est là. Tout le monde est là, bah oui, évidemment. Bah oui, arrête. Travis, tout est prêt? Oui, que les festivités du grand départ démarrent. Et mais c'est qu'on a des plans originaux là. Trop stylé. Pourquoi ça dort à la colonie 15 là? Celle de Triton, c'est bien la 15, hein. Mais voilà, vous êtes des adultes maintenant. Faut faire des enfants. Allez, c'est pour le bien de la cité. Bon, bah d'accord. Hein. C'était étrangement d'à propos là. Lui a déclaré sa flamme à Monica. Bon, ça va, c'est. Salut Gray. Tintin. Voilà. Qu'est-ce quoi? C'est la plaque du nouveau chez soi. Ah, c'est ça. Elle lui a donné les clés de chez elle. C'est Gondor qui va pas être content. Toutes mes félicitations à nos 6 nouveaux adultes. Non, 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 je déconne, hein. C'est une blague, parce que c'est un peu creepy quand même. Et bonne chance à vous. Je sais que ça ne vous enchante pas, mais la dernière partie de la cérémonie va commencer. D'ailleurs, on sait toujours pas qui c'est le père de Gondor, hein. Parce que autant, on sait que c'est sa mère. Bref. Rendez-vous au point de rencontre, c'est là que les nouveaux adultes montreront leur gratitude. Sous la forme d'un immense banquet. Allez, aiguisons nos fourchettes et allons festoyer. On a dû avoir un moment, on a dû nous le dire qu'il était mort. Allez, on y est presque. Tu as vraiment mis du cœur, hein. Ben, bien sûr. Mais non, mais c'est Crito, c'est avec elle. Quand on devient adulte, les gens attendent bien plus de toi. Mais si tu comptes sur moi, je ne la décevrai pas. Je ferai tout mon possible pour assurer la sécurité de tous. Facile à dire, mais qu'es-tu vraiment prêt à mettre en jeu? Comment ça? Salut. Beau travail. Ouais, vous pouvez être fiers de vous. Merci. J'espère que vous avez hâte de voir la suite. J'espère qu'ils sont conscients que leur nouvelle responsabilité ne se limite pas exclusivement au champ de bataille. Il leur faut aussi produire une descendance qui assurera le lien entre nous et ceux qui nous succéderont. Bah oui, Miori, on a bien capté que toi tu l'avais regardé. C'est valable pour moi aussi. J'en suis à me demander si je dois continuer à me battre en première ligne. Si je ferais mieux de. Bah oui, tu ferais mieux de. Tu peux toujours te battre en première ligne avec lui. Bon, après, si t'es enceinte, c'est un peu compliqué, mais. Bon, il est temps que je m'en aille. Première ligne au front. Enceinte de 7 mois. Let's go. Miori, tout va bien. Désolé, ce n'est rien. Je me rends simplement compte que moi aussi, je me dois de ne pas décevoir la cité. Un peu une lourde pression quand même. Hein. Nous devons y aller car il nous reste certaines choses à régler. On vous attendra à la table de Mishiba. D'accord, allez, à plus tard. Ciao! Ciao, ciao! À plus tard. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Nicole? Shulk? Nous avons Naël? Nous avons Matthew? Nous avons Rex? Et nous avons Glimmer? Et oui. Et là, on a Ay. Enfin, il aurait dû avoir Ay. Mais bref. Hein? Franchement.
Incroyable ça, ils avaient déjà les modèles pour le DLC, hein. Enfin forcément, hein, vu comment l'histoire elle est écrite et elle est cohérente. Il y avait déjà le DLC en tête. Ils ont déjà le 4 à mon avis même. Le scénario du 4, il a déjà des plus que des prémices quoi. Bref. Vivement. Eh bien, dis donc, c'est animé dans le coin. Par ici, je vous prie. Venez. Venez bien dé. De la salade. Manger a l'air super miam. Non, il n'y a pas que ça. Vous avez tout fait vous-même. Ça en jette, non? Il y a vraiment tout en plus. De la salade, il y a de la viande. J'ai l'impression qu'il y a du poisson là. C'est sûrement le plus beau banquet qu'on ait eu depuis un bail. Et puis, il y a quelque chose d'autre que nous voulons vous donner. Ah ah! Qu'est-ce que quoi? Mais ça, mais c'est ce que les nouveaux adultes ont reçu. Vous nous offrez un chez nous? On va avoir une maison chez nous? Cette clé est maintenant la vôtre. Hein? Quoi? Désolé, mais nous n'avons pas eu le temps de faire des copies. Par contre, la chambre est prête. Travis et Monica ont bien voulu s'en occuper. Comment ça? Il n'y a qu'une seule chambre? Pour Noah et Mio, c'est ça? Vous n'imaginez pas le boulot que ce fut trouver quelqu'un pour cosigner, choisir l'endroit, préparer les draps? Ouais, alors c'est ça que vous étiez si occupé jusqu'à la dernière minute? Ils sont pour les 6, une chambre pour les 6, incroyable. Vous avez toute notre gratitude, mais nous ne sommes pas vraiment de la cité. Oui, et quand on atteint la vingtaine... Ouais, on sait, on comprend très bien. Raison de plus pour fêter ça en avance. Allez, acceptez le cadeau, ne vous faites pas prier. C'était si gentil de votre part d'organiser une fête pour les nouveaux adultes. Alors laissez-nous nous vous rendre l'appareil pour en profiter avec vous avant votre grand jour. Je parle au nom de tous les habitants de la cité. Tous les habitants? Clé de la chambre x1. Incroyable. On va avoir notre logement à la cité. Nous espérons être présents le jour de votre grand retour. Cette clé est d'ailleurs un gage de cette promesse. Mais pour que ce jour vienne, il nous faut d'abord gagner cette guerre. Nous y arriverons. Mais du coup, il ne viendra jamais, hein. Mais bon, nous gagnerons et nous vivrons ce qu'il reste de nos vies ensemble. Bah du coup, non. Hein. C'est ça qui est triste. Vous allez gagner et c'est fini. Vos vies vont s'éteindre. Complètement. Bon, tout ça c'était un peu maladroit, tu aurais pu les remercier directement. Parce que bah, le monde va disparaître complètement. Et il va revenir dans son état dans lequel il était avant que vous n'arriviez. Et puis un jour, sur votre planète, irrémédiablement, vous allez arriver. Puisque la même succession d'événements génétiques va se réaliser. Après, en même temps, au niveau des rencontres et compagnie, c'est un peu difficile à imaginer. Mais bon, pourquoi pas, hein. Au pire, vous n'existez plus, mais vous avez existé. Oh non, c'est un peu sad quand même. Mais on va dire que vous allez exister, vous allez vivre la vie que vous auriez dû vivre. Voilà. Parce que là, c'est l'origine qui fait que il ne peut utiliser que les données qu'il y a à l'intérieur de l'origine. Et au final, vous existez forcément. On va dire que c'est ça. C'est pas forcément cohérent, mais on va dire que... Enfin, si, c'est cohérent, mais c'est pas forcément ça qui se passerait réellement, quoi. Mais on s'en fout, dans une histoire. Donc, let's go. J'ai juste fait ce que les nouveaux adultes m'ont demandé. Ne va pas chercher plus loin, s'il te plaît. Pour être franc, je suis un peu surpris. Sans votre aide, cette cérémonie n'aurait pas eu lieu. Mais je sais bien, je suis pas idiot. Il existe vraiment des gens qui ne veulent pas voir les enfants grandir. Inconcevable, non? Tout le monde devrait vouloir les voir s'épanouir et profiter de la vie en bonne santé. Tout le monde, quel que soit son sang, son rang ou ses convictions. Cette situation ne me met mal à l'aise. Jamais je n'aurais pensé être d'accord avec une aînée. Vraiment, moi ça ne me surprend pas tant que ça. J'apprécie que tu veilles sur toutes les choses qui m'échappent. Que tu veilles, pardon. J'arrive pas à lire, je suis désolé, je suis un peu claqué. Je parle vite en plus, c'est un peu con. J'apprécie que tu veilles sur toutes les choses qui m'échappent, Gareth. Malgré tous tes défauts, bah allez bam! Dans ta gueule, je sais que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ta jeunesse excuse ton effronterie. Ça rentrera peut-être mieux si c'est pas une gamine qui te le lit. Plain, dis-lui toi. Je crois que tu as un peu trop vu, maman. C'est pas une gamine qui lui dit, il demande à son fils de le dire. Enfin. Attention à ce que tu dis, morveux. Tu te crois meilleur que moi, c'est ça? Je pense que le petit n'a pas tort. Désolé, maman est toujours comme ça. Personne ne remarque qu'elle a trop bu avant qu'il ne soit trop tard. Te fiche de moi, dis-le, vas-y.
Je m'absente juste une seconde et je reviens avec de l'eau, d'accord? Ah, je vous jure. On doit tous agir ensemble pour bâtir un avenir pour les générations futures. Et c'est pour ça que toi et moi devons collaborer. Et une fois de plus, désolé de vous le dire, mais ça sert à rien. Dans même pas 2 mois, là, on a rabattu Z et Xenoblade 4, boum. Ok, mais soyons clairs, ne va pas imaginer que tu bénéficieras d'un traitement de faveur de ma part, on est bien d'accord. Jamais une chose pareille ne m'aurait traversé l'esprit. C'est encore une assiette pauvre. Il y avait une assiette toute fumante, isolée sur une table. La cérémonie du grand départ a été un succès. Même ceux qui ne s'entendent pas d'habitude se sont unis pour féliciter les nouveaux adultes. Bah attendez, j'ai une clé de chambre là, vous allez pas me dire que j'ai pas de chambre. Tata. Ah tata, vous allez pas me dire que j'ai pas ma chambre là. Mais c'est honteux! Non. Port d'Astel. Mais forcément que j'ai une chambre. Attendez, d'où le truc là? Est-ce qu'on m'aurait menti? J'ai obtenu une clé de chambre. J'ai nécessairement une chambre. Attendez, on va mettre Monica peut-être en héros. Rien. Ça change rien. Bon bah ça change rien. Les dortoirs, ils sont là, je crois. Juste en face. Je me suis vraiment téléporté pour un truc qui était juste en face. Ouais, les quartiers résidentiels, ils sont où? J'ai une clé et tout, je suis censé pouvoir ouvrir, non? L'infirmerie. Pourquoi j'ai pas les clés là? Elle est où ma maison? Mais. J'ai une clé de chambre et j'ai pas de maison, quoi. Je suis tellement deg. Je suis dégoûté. Bah ouais, donne-moi une maison. Pas une maison, ça. Non. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Bon. Y'a quoi là? C'est une piole. C'est la chambre avec recette. Ouais, mais c'est ça, hein. Il y a le quartier résidentiel et on peut juste pas y rentrer. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on ait un appartement. Que ce soit cohérent avec la quête. Mon départ était un peu différent cette année, mais il a quand même pris autant de plaisir que d'habitude. Bah ouais, mais c'est pratiquement la seule occasion où on peut voir Monica et Garrett sans qu'ils aient l'air de vouloir s'étrangler l'un l'autre. Lol. C'est un peu sad en vrai. Ah mais si, attendez, c'était c'est ça, c'est cette porte là? On a enfin eu la clé? Carte de remerciement. Ah c'est ça, c'est cette porte là qu'on pouvait pas ouvrir et qu'on peut enfin ouvrir. Héros, carte de remerciement, comment je vais... objet. Ah non, carte de remerciement, ça doit être dans les quêtes là. Pas ça alors. Objet, mais je vois que dans objet alors. Filtrer. Je peux pas trier, pardon.
carte de remerciement, remplie de remerciements de tous ceux qui ont fait leur grand départ. Bon. Et la chambre que vous nous réservez aux nouveaux adultes. Ouais, bah c'est ça, hein, c'était forcément celle-là. Ok. Bon bah c'était cette. On a eu notre chambre. C'est notre chambre. On a pu ouvrir la porte. Obtenir la carte de remerciement. Ok. Bah très bien. Très bien, très bien. Pour une quête secondaire, je veux dire, c'est ok. On aurait bien aimé un léger plus en plus. Un léger truc en plus, mais en même temps. On peut pas apporter autant de, plus d'attention en termes de développement et de. Et compagnie. Que ça. Il y avait déjà un camp. Pourquoi j'ai sauté? Il me faut un camp, moi. Maintenant, il faut que je trouve la suite. Normalement, on a une autre quête. Si je fais le point. On doit avoir. Voilà, brouillard en mer d'Eritha. Et j'avais noté où est-ce qu'il fallait que j'aille. Donc, évidemment, j'ai plus ma note. Alors. Que je vais retrouver ça. Brouillard en mer d'Eritha. Oui, non, j'avais noté la quête, mais j'ai pas la façon de le faire. C'est ça. Non, c'est ça. Ok. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, a priori. Oh, ils jouent de la flûte ensemble, c'est trop mignon. Ah, je peux pas prendre le screenshot là, putain. Dommage. Non, ça marche pas. Oh, je voulais prendre le screenshot quand ils jouaient de la flûte. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve donc. Je le dis, j'en aurai des quêtes, je suis bête. On va sauvegarder. Et je vais finir ma phrase, promis. On se retrouve la semaine prochaine pour la quête Brouillard en mer d'Eritha. Je serai allé voir sur internet où est-ce qu'il faut que j'aille. Il me semble que j'y étais déjà allé, mais j'ai zappé. Bref, je me le noterai et comme ça on pourra se faire ça tranquillement. Ciao ciao tout le monde et à la prochaine.